Recording. Welcome to Miley's world. Here is the first episode, so please enjoy your stay. Hey, c'est Miley, j'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien, j'espère que vous passez un très bon moment, un très bon dimanche. Oui, je dis dimanche parce que cette vidéo sortira ce dimanche-là. Et donc voilà, aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer à travers cet épisode le concept un petit peu de ma nouvelle rubrique Miley is recording. Et voilà, donc sur ce... Abracadabra. J'ai ma pré-rentrée tout à l'heure et je suis un peu stressée, mais en vrai ça va le faire. Alors, Miley is Recording, c'est un concept de vidéo qui prendra la forme d'épisodes et donc de saisons. Donc il y aura plusieurs saisons à travers ce petit concept. Et voilà, c'est tout simplement pour vous partager certains moments de ma vie. À travers cet épisode, il va y avoir pas mal d'incrustations, donc c'est-à-dire des vidéos, des écritures, des dessins. C'est quelque chose vraiment que je voulais mettre en avant. Bien que l'épisode 1 ne soit pas parfait, je souhaitais quand même le publier et voilà. Je vous avoue que je suis un peu stressée. Le fait de faire une voix off, c'est bien parce que j'aime bien rajouter d'autres éléments, etc. Mais c'est aussi stressant parce que parfois tu ne sais pas quoi dire et voilà. Donc à l'heure actuelle, je fais pas mal de comment dire d'essais et voilà. Je recommence, je refais, je recommence, je refais. Donc là, c'est un petit peu au feeling. Pour commencer, j'avais préparé cet épisode, je l'avais un petit peu rédigé, mis au propre pour que je puisse quand même être un peu fluide, parce que j'aime bien rédiger, bien préparer. Je ne suis pas trop une pro de l'improvisation, mais là, on n'a pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment le choix parce qu'en soi, je ne l'ai pas terminé de rédiger, et puis voilà, je ne suis pas très opérationnelle, du coup on va parler un petit peu comme ça, commenter les images suivantes. Et voilà, en tout cas je vais commencer par parler de la transition entre le lycée et l'université. Alors il faut savoir qu'en juin, c'était vraiment le mois que j'attendais, parce que pour moi, qui dit juin dit mois de libération, clairement. Voilà, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'être en vacances. Voilà, le mois de juin, je l'attendais de pied ferme. Et voilà, j'avais aussi envie de me préparer en tant que future étudiante, du coup. Et j'avais cette envie de commencer une nouvelle ère. Et c'est à partir du mois de septembre que je me suis rendu compte de plusieurs choses, à savoir que le lycée c'était vraiment fini, que les personnes que je côtoyais auparavant, bah, je ne les reverrai presque plus, voire plus du tout pour le moment. Et aussi les potes que j'avais, bah, je les vois presque pas. Voilà, c'est un truc que... je ne pensais pas trop. Enfin si, j'y pensais un petit peu avant d'emménager, mais pour moi c'était lointain. Oui, pour moi c'était vraiment lointain. Et
Et je pensais pas que le fossé entre le lycée et l'université serait aussi grand. Voilà, là je parle un petit peu du coup de la fin du lycée, mais pour moi en fait le lycée, j'ai pas vraiment vu de transition entre, enfin de grande transition entre le collège et le lycée, parce qu'en fait j'ai été dans le même établissement, donc du collège au lycée, et du coup j'ai pas forcément vu de grands changements, même si certes il y en a, mais en tout cas là je vois plus, en tout cas le... Oula, je répète beaucoup de mots, j'ai beaucoup de types de langage, donc je suis vraiment désolée si il y a beaucoup de mots qui reviennent, mais on a dit ici c'était improvisation, donc voilà, je vous ai dit, je ne suis pas une pro de l'improvisation, donc voilà, pour cet épisode ça sera de l'improvisation, voilà, bref. Je vais me perdre. Donc je disais que voilà, entre le lycée et l'université, bah, j'ai quand même vu le fossé, l'écart, le grand écart, j'ai envie de vous dire. Non mais vraiment, ce n'est pas une rigolade. Vraiment, je le vois. Enfin, je l'ai vu en tout cas à partir du mois de septembre. Donc voilà, je suis un peu nostalgique. Enfin, en tout cas, en septembre, je l'étais vachement. J'étais un petit peu... nostalgique, alors qu'en soi mes années lycée c'était pas les meilleures que j'ai passées, enfin j'ai pas non plus de très 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 bons souvenirs, mais j'ai été un peu nostalgique parce que bah, c'est la fin d'une routine, c'est ouais, la fin d'une routine, des habitudes, donc franchement si j'ai un conseil à vous donner pour tous ceux qui sont encore au lycée, profitez vraiment, profitez de chaque instant, de chaque moment, parce que vraiment, je ne me suis même pas rendu compte que ça faisait 3 ans que j'étais... Enfin, sur le coup, oui, mais avec du recul, c'est vraiment court, vraiment. Et je me souviens de la seconde comme si c'était hier. Donc, vraiment, profiter à fond. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais un peu à dire sur le lycée. Enfin, j'ai pas trop de... d'idées qui me viennent en tête concernant le lycée du coup. Donc il y avait déjà ce sentiment de nostalgie qui venait me prendre le call back dès septembre, et ensuite qui dit devenir étudiante dit forcément, enfin pas forcément, mais dit emménagement pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui sont du coup étudiants. Pour ma part, j'ai emménagé fin août et en termes d'administration, ça s'est plutôt bien passé. C'était assez rapide, donc je suis en résidence Crous et pour ma part, ça s'est bien passé. Je stressais un petit peu en termes de, comment dire, d'admission. Oula, d'admission. J'arrive plus à le dire. D'admission au logement, parce que. En fait, je suis dans une ville où les logements, c'est vraiment la course. Donc j'avais un petit peu peur, mais en soi, j'étais quand même optimiste. Et bah, ça l'a fait, j'ai mon appart. Donc j'ai eu mon appart, mais à contrario, en fait, je me suis rendu compte que bah, ça a laissé un petit peu mon vide. Là, je suis une personne qui aime énormément le calme, qui est assez autonome, voilà, je peux me débrouiller vraiment toute seule et tout ça, mais ça laisse un vide, surtout bah, quand tu as des frères et sœurs, de plus les entendre, bah, c'est vrai que ça laisse un vide. Mais après, j'aime énormément mon nouveau chez moi, même si en termes de décoration, j'ai encore rien fait. J'aime vraiment bien l'ambiance. Je trouve que c'est assez grand. C'est assez grand. Et le fait aussi de se dire que c'est toi qui gères ça, même si ça rajoute une responsabilité, certes,
espace, c'est ton propre espace, donc c'est toi qui le gères. Tu le gères comme tu veux, tu t'organises comme tu veux. Et ça qui est hyper gratifiant. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir mon petit appart, mon petit chez moi. Enfin. Ensuite, autre thème que j'aimerais aborder, qu'est-ce que ça fait d'être étudiante ? Honnêtement, le premier mot qui me vient en tête, c'est statut. Donc être étudiante, c'est un statut. Et puis tu vas du coup à l'université ou dans ton école. Bah, pour ma part, c'est à l'université. Après, je sais que pour d'autres, ils étudient dans des lycées ou des écoles. Mais pour ma part, du coup, c'est bien à l'université. Et honnêtement, mon université est juste géniale. Franchement, l'ambiance, rien à dire. Franchement, elle est géniale. Enfin, je sais pas comment bien décrire l'atmosphère, mais vraiment, ça change complètement de ce que j'ai pu vivre au collège et au lycée. C'est vraiment un autre monde. Je trouve que on t'accueille super bien. En tout cas, moi, c'est ma première année à l'université, donc j'ai fini le lycée en juin. Et cours des L1, donc les premières années. En tout cas, pour ma part, j'ai été bien accueillie. Et il faut savoir que à partir du mois d'août, il y a certains du coup étudiants de l'université qui avaient pris l'initiative de créer du coup des groupes de classe en fonction des filières pour les L1. Tu sais. Ouais, c'est le moment où je commence la vidéo. Sorry. Mais non, justement, tu me fais. Et ça, je trouve que c'est une idée, mais juste révolutionnaire. Et je pense que beaucoup d'universités devraient prendre cet exemple. Parce que quand tu te retrouves à l'université en tant que L1, c'est parfois compliqué. Sachant que à l'université, il y a vraiment de tout âge. Vraiment, tu peux rencontrer des personnes. Qui ont 21 ans, 22 ans, tout comme des personnes de 40 ans qui sont en L1. Et aussi, faut pas l'oublier, il y a également des étudiants étrangers, donc c'est encore plus compliqué si t'as vraiment aucun repère, ni même de contact, etc. Et le fait que mon université ait pu créer ce genre de réseau de contacts, c'est vraiment génial. Et puis à la pré-entrée, n'hésitez pas à nous faire relayer des informations ou à nous faire intégrer dans des groupes de classe pour ceux qui n'avaient pas l'information, etc. Donc ça, c'est vraiment un côté positif, et grâce à ça, j'ai pu du coup rejoindre une fille que j'avais rencontrée sur le groupe classe en août, août, et du coup on s'est rejoint pour aller à l'université ensemble, etc. Donc franchement, c'est une super bonne initiative, et voilà, franchement, je sais que c'est pas évident quand tu viens de loin, tu viens d'une ville assez lointaine, ou même de la campagne, ou même voir de l'étranger. Je sais que c'est pas évident. Je trouve que ça donne un style. J'ai envie de le remettre à l'envers pour voir ce que ça donne. Même là, ça te va. Là aussi. Ouais. Ok, conseil d'une pro. Si. C'est une pro, Elena. Je crois que j'ai le simple. Je trouve que c'est moins gênant aussi de filmer ici. C'est moins gênant maintenant. Mais ça va pas, on est où là? 3, 2, 1, action. Vous êtes tout sauf naturel, vraiment. Vous avez raté le truc, vraiment. Dès qu'Eva a entendu parfois, elle a couru.
Et voilà, l'épisode 1 se termine. Je vous avoue que j'ai beaucoup blablaté. Je n'ai pas vraiment vu le temps défiler. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas encore d'outro. Mais comme je l'ai dit, l'épisode 1, c'est un petit peu l'épisode test. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé. Et voilà, sur ce, tchuss!